Salut tout le monde, c'est MaxiunTube, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour l'épisode 5 de notre série sur la map La Trahison des Templiers. Et donc dans le dernier épisode, attendez juste, je vais me remettre en survie, en facile cette fois et le matin. Donc dans le dernier épisode on était accompagné de Neo Geekmo. Donc c'était pas mal d'avoir fait un épisode où on était plusieurs. Où on était deux en tout cas. Et donc on s'était arrêté parce qu'on cherchait en vain le diamant et la pierre de Ragnaros. Donc la pierre elle est là-bas dans un coffre. Et le diamant en fait j'avais pas vu mais regardez. Il y avait écrit, enfin j'avais vu mais je l'avais pas remarqué dans ma tête en fait. Note principale 2, je l'avais pas lu. Donc elle est ouverte à côté de mon jeu, donc je vais la lire. Et donc voilà la pierre. Je l'ai copié parce que j'ai eu un fail parce que je l'ai déjà tourné cet épisode en fait. Mais en fait je vais enregistrer ma voix et tout. J'appuie sur le bouton pour filmer avec Fraps. Et quand j'ai fini, je regarde dans Fraps le dossier des films. Il n'y avait plus rien. Bon, ok, comme il veut. Donc voilà. Donc je vais vous lire la note principale 2. Donc je fige, je fais un screen. Voilà. Et je vais dans la note principale 2. Oh, bonjour mon enfant. Rares sont les visiteurs qui passent par ici. Que veux-tu? Des potions, des objets maléfiques? Je chercherai une pierre d'invocation de Ragnaros. En aurez-vous une? Une pierre d'invocation de Ragnaros? Vous savez que cette pierre vaut cher. Je serai prêt à tout faire pour l'obtenir. Il faudrait un diamant. Les diamants sont rares. Et si tu es prêt à tout faire? Une petite indication. Il se dirait qu'un diamant se cacherait aux alentours du volcan, mais il ne serait pas si facile d'accès. Personne n'a tenté jusqu'à maintenant de l'obtenir. Quand vous aurez ce diamant, apportez-le-moi. Ensuite, montez tout en haut du volcan. Et jetez la pierre dans la lave. Donc voilà. C'était ce qu'on avait raté. Donc je reprends la vidéo, voilà. Et donc, c'est tout au fond là-bas. Parce qu'en fait en off on avait, enfin j'avais cherché avec Neo-Geekmo après et on avait trouvé ça, donc voilà, on avait trouvé un trou, une grotte là où il y avait le diamant. Il y a des mobs spawners, donc ouais, je l'avais pas vu du pas. Donc on est reparti. Donc vous pouvez voir que j'ai déjà beaucoup de viande en stock et j'ai encore 9 steaks ici. Parce que la dernière fois j'étais vraiment à court de nourriture. Donc là-haut j'avais vu qu'il y avait un coffre. Par la suite, hop, ici, pomme de terre, ouais, ouais c'est bien. Donc j'ai un peu arrangé mon matos là, œuf de zombie. Non, ça ne sert à rien, il va nous attaquer si on le met. En fait, je viens de repenser que là, en fait, je fais exactement la même chose qu'il y a même pas 10 minutes. Je redis la même chose et tout. Enfin, j'essaye de faire le truc à l'identique, mais bon, c'est un peu difficile. Tiens. De la bouffe. Allez, go. Ah oui, et en passant, je vous ai pas montré. J'ai changé de skin, je l'ai confectionné moi-même. Voilà, c'est une tête de slime rouge avec un corps d'humain. Sur les épaules, ça fait un peu genre à la Bob Lennon, vous savez. Enfin, au truc militaire et tout sur les épaules. Donc derrière, il y a une cape, voilà. Mais en fait, c'est pas une cape, c'est mon dos, donc c'est pas grave. Casque en cuir et tout, voilà. Donc, je voulais vous préciser une chose. C'est que avant les épisodes, si j'ai plus d'armure, je m'en revive une en cuir. En fait, parce que déjà que c'est assez dur avec tous les mobs qu'il y a, je sais pas pourquoi il y en a autant. Donc je me la revive. Et pareil, oh, j'espère qu'il va dropper lui. Putain de merde. J'aurais pu avoir une épée en fer. Hop. Essayer de les casser avant qu'ils spawnent parce que là c'est déjà assez difficile.
Mais il y a vraiment aucun mob là. Normalement, dans le dernier épisode, j'avais pas mal combattu quand même. On n'avait aucune araignée là. C'est ça. Donc, le diamant que on cherchait alors qu'il était juste là, de la chair putréfiée, du charbon, du pain, bien. Ouais, et donc, en fait, j'avais tout fait et tout dans le dernier épisode, j'avais même fait la conclusion et tout, enfin la conclusion, tu sais, quand je dis allez à la prochaine et tout, c'est encore une vache. Dans le cul! Et donc j'avais fait ça et tout, et du coup, j'avais arrêté, et là j'avais vu qu'il n'y avait plus de vidéo. Enfin, il n'y avait pas eu de vidéo. Ah oui, du coup il faut retourner là-bas, je vais y aller en créatif. Et donc, hop. Et donc il y avait plus de vidéos et tout, donc j'étais vraiment deg et tout. Puis en plus, après j'ai pensé, vu que j'avais tout fait et tout, j'avais déjà lancé la pierre de Ragnaros dans la lave et tout, je me disais mais non, mais j'en ai plus et tout, il y en a plus. Alors je me disais comment faire et tout. Et après je me suis dit, est-ce que j'ai fait une copie de la map? Et d'un coup je me suis dit ouais je crois. Puis en fait elle était dans la corbeille, j'avais pas vidé la corbeille heureusement. Mais en fait, c'était une sauvegarde de la map qui datait de la fin de l'épisode 3. Du coup, j'ai dû refaire en même pas 5 minutes tout ce qu'on avait fait avec Neobitmo. Tac, tac. J'ai dû refaire tout ce qu'on avait fait avec Neobitmo rapidement en prenant les mêmes objets. Donc j'ai repris l'arc et tout. Et le casque de Noshana et tout, voilà. Et tout ça, bien sûr, je l'ai fait en créatif pour aller plus vite. Donc c'est bon, il faut aller tout en haut du volcan. J'y vais en créatif comme ça vous évite de me voir 10 minutes, enfin pendant 10 minutes sauter des blocs. J'avais fait l'expérience, mais heureusement je l'avais coupé dans l'épisode 4. On faisait que sauter, il y avait tous les ennemis derrière nous, enfin c'était horrible quoi. C'est pas. Enfin, là, je préfère comme ça, ça va plus vite et puis on peut faire plus de trucs. Donc, ouais, c'est pour ça que j'ai fait des copies des pierres de Ragnaros, en fait. Jeter la pierre d'invocation dans la lave. Tac. Ciao. Ouais, donc, là, il faut redescendre, au levier numéro 3. Donc, c'est là, je crois, si je ne me trompe pas. La dernière fois j'ai fait exprès et je me suis raté dans le droit. Hop, je descends, je découvre les chunks. Quand on est tellement haut comme ça, voilà, c'est là. Je suis gavé en plus. J'avais déjà posé le levier. Là, il est le levier numéro 3. Ouais, non, là c'est écrit que levier, bon, c'est pas grave. Hop, et donc il faut activer l'armure. Résistant à la chaleur, mais j'ai vu qu'en fait elle ne servait à rien. Je sais pas pourquoi, mais bon. Moi, dans l'épisode que j'avais fait, là, il y avait un squelette qui me tirait dessus. Heureusement, là, ouais. Par contre, à chaque fois que j'arrive ici, je lag. Dans le dernier épisode, oui, et tout, aussi, pareil. Alors que j'enregistrais pas en plus. J'étais bien dégueu. J'ai essayé d'avancer comme ça. Désolé pour vos yeux, je sais, mais bon. C'est parce qu'il y a tellement de lave que mon ordi n'arrive pas à tourner. Note principale 3, donc là il faut lire la note principale 3, donc je vais vous figer l'image. Tac, voilà, screenshot. Note principale 3. Qui ose m'invoquer? Oh, un visiteur, approche-toi mon enfant, tu as réussi toutes mes épreuves pour m'atteindre. Félicitations, que veux-tu? J'aurais besoin de votre aide, mon Dieu. Le haut gouvernement nommé Templier nous a trahis, nous le peuple, et a tenté de lancer une attaque dans le monde entier. Ils ont ravagé la zone dans laquelle vous vivez. Ils ont créé des tonnes de monstres différents, tous aussi féroces les uns que les autres. Nous avons vraiment besoin de votre aide. Ma région, tout est ravagé. J'observe ceci depuis le haut de mon volcan. Gare à ces Templiers qui ne déchaînent pas la puissance des dieux. Je vais déchaîner le pouvoir pour rétablir cette région. Ça prendra du temps, mais la zone redeviendra paisible à vivre. Merci d'avoir eu le courage de venir jusqu'ici, aventurier. Prends cette récompense et pars maintenant. Tu devrais rejoindre Alcadia. Cette région n'a pas encore l'air d'être attaquée par les forces des Templiers. Je me demande pourquoi. Donc voilà, je reviens sur le jeu.
Tac, je relance. Donc là, la récompense, coffre de la note principale, 3, levier d'Alcadia, aura de feu, prendre tout le steak, c'est bien, j'ai beaucoup de bouffe là. Hop. Hop, tous les lingots, les pommes dorées. Et ça, c'est les autres. Hein. Ne prendrai qu'après avoir lu la note. Ouais, c'est bon. Note 14, tout. Voilà. Donc, on va aller par là-bas. En laguant. Oula. Attendez, j'attends un peu. Voilà. C'est bizarre des fois quand on attend, ça passe. Et puis ça revient quand on avance. Pas grave, je suis presque sorti. Et la lave est derrière moi, ça ne devrait être plus compliqué. J'avais remarqué ça dans la première fois que j'avais lancé Minecraft sur cet ordi. Putain, allez. C'est bon, là, je suis en dehors du volcan et tout. Voilà. Donc j'avais remarqué que ça laguait à cause de la lave. Quand il y a trop de lave, ça fait ça. Donc j'avais téléchargé une map de parcours et puis il fallait sauter au un moustique machin. Par contre, pas super gros. Et il y avait plein de lave partout. Et il fallait sauter de pilier en pilier. Et finalement, ben ça a fait. Ça m'a fait laguer et donc j'étais deg. Parce que j'avais mon nouveau PC et tout, j'étais dans ma première heure de jeu, je faisais ouais, allez! D'un coup, ben non, 10 FPS, oh, au lieu de 60, ça fait mal quand même. Donc voilà, c'est bon. Mince, putain, ça m'énerve quand ça arrête de courir comme ça. Oh, on est qu'à la première nuit, oh. Hop, on va manger un bout. Et donc à Alcadia, en fait, j'étais bloqué. J'étais bloqué parce que je savais pas ce qu'il fallait faire. Il fallait une levier numéro 2 et tout. Déjà qu'on en a qu'un seul, je me demande pourquoi il nous en veut un deuxième. Enfin, il y a peut-être un truc à faire, mais j'ai pas trouvé ce que c'était. Donc on va chercher ensemble. Enfin, j'ai une vue sur le moustique, il est juste en face de moi. Donc par là-bas, il y avait juste. Il fait nuit, alors c'est mort quoi. Oh. Ah, normal. Je n'ai pas vu. Oh putain. Avec le châtiment. Ouais, donc mon épée en bois là est moins abîmée qu'avant que dans l'épisode 4 parce que bah, vous doutez bien que dans l'épisode 3 elle était moins abîmée déjà. Donc là dans les trous il y a du vide. Là-bas il me demande du papier. Donc, le papier je l'ai pas encore. Et il y a un squelette derrière moi et des araignées partout. Il me demande ça et puis il me fait pas chier, il y a du vide. Ah, parce que là, regardez, c'est le vide intersidéral. Du poisson. Je sais pas pourquoi il me donne du poisson. Il me demande du papier. Il me demande du papier et le levier numéro 2. J'avais vu ça, donc je sais pas, il fallait peut-être le trouver. Dans un coffre caché dans cet endroit. Je me suis dit que c'était peut-être là-haut. Je suis monté là-haut, il n'y avait rien. Vu qu'il y a de l'eau, je pense que en montant par là, ça peut être possible. Hop. Sans si je tombe, je peux essayer de tomber là. Je pense que c'est là-haut.
parce que je vois pas d'autre endroit où il pourrait avoir un coffre avec tout ça dedans. C'est bien de pouvoir monter comme ça. Mais... Faire gaffe à la fin, il y a du courant. Ah bah voilà, vous voyez. Dans le dernier épisode, je me suis arrêté là et tout parce que je savais pas où il fallait aller. Tu me laisses quoi. Ah, t'as failli ta flèche. Merde, j'étais une bouffe. Il y a un coffre d'abord. Poisson cru, poisson cru, un œuf. Un œuf, ça va me servir à rien. Ça va me prendre la place et tout. La note principale 5. J'ai même pas fait la 4. What? Dans la note principale 3, il m'a rien dit, hein. Il m'a dit rien, enfin, il m'a rien dit de faire, hein. Parce que, je vois déjà la note principale 5, j'ai même pas fait la 4. Oh. C'est pas par là-bas, là-bas c'est une autre ville. C'est quoi ce bordel? Savez quoi, je vais faire une ellipse et puis je vais chercher en off parce que je pense que c'est un peu bizarre. À tout de suite. Donc désolé de cette petite ellipse. En fait, on était rentré par là-bas, je suis allé chercher le petit poisson là-bas, là, poisson cru, dans le coffre. En fait, je suis pas venu là et dans le dernier épisode, j'avais manqué un truc. Je sais pas pourquoi j'avais voulu poser le papier dans ce coffre, donc je vous avais dit. Fais pas chier, t'as la même tête que moi et alors. Je sais pas, c'est pas pareil. Hein. Sur les one-shot, voilà. Et donc en fait, c'est pas no bug, mais avant j'avais lu mode principal 4, mon frère. Toi tu me donnes rien. Donc, une petite pause avec un screen. Tac, voilà. Et mode principal 4. Wop, 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 tu ne passes pas. Si tu veux en rentrer dans la région d'Alcadia, il te faudra un papier signé de garde Roctos. Du garde Roctos, qui surveille la zone d'entrée des trois régions, sur l'île volante. Ah oui, on y est allé. Nous sommes la seule région qui n'a pas reçu de grosses attaques de la part des Templiers. Leurs monstres se sont infiltrés chez nous, mais à part ça, rien de grave. Nous ne voulons personne qui s'infiltre. Qui s'infiltre en éclaireur chez nous pour les Templiers. Pour entrer chez nous, tu vas devoir montrer à Roctos que tu n'es pas du côté des Templiers. Dans la truc volante là-haut. Ça tombe bien. Juste avant de reprendre, faut que je rouvre le dossier des notes. J'ouvre la 5 pour tout à l'heure. Voilà. Je peux déjà fermer la 4 et retourner sur Minecraft. Voilà. Donc, il faut retourner à la petite île volante qui est juste avant. Donc, j'ai regardé, on est à peu près 18 minutes là. Donc, on va voir ce qu'il nous demande. Et si c'est un peu trop long, j'arrêterai là. Donc j'ai mis un petit lit là pour que je réapparaisse ici. Parce que sinon on réapparaît vraiment trop loin au village et tout, enfin voilà. Enfin voilà, ouais. Parce que j'avais pas mis de lit avant. Donc il faut monter là-haut. C'est reparti. Je suis dans un ascenseur. C'est beau quand même. Donc voilà, ça c'est le garde Roctos. Ça c'est le l'os que j'avais jeté tout à l'heure. Donc note principale 5, coffre de récompense, ok. Si j'ai envie de faire chier, je rentre dans le lit. Là. Non, ok, ouais, il va bientôt faire jour. Donc note principale 5, screen. Hop, voilà.
Alors, salut, vous venez sûrement pour avoir un papier signé par moi pour pouvoir entrer à Alcadia. J'en ai tous les 2 jours. Des gens qui viennent pour venir s'abriter, ouais, ça, oula, bon, c'est pas grave. Chez nous, c'est le seul endroit encore sûr. Mais nous ne pouvons pas faire entrer tout le monde. De un, car il y aurait beaucoup trop de risques qu'il y ait des espions templiers dans la masse. De deux, car nous ne pouvons pas abriter tout le monde. J'aimerais que vous alliez me tuer des squelettes, des araignées, des zombies, pour me prouver que vous n'êtes pas de mèche avec les Templiers. Ramenez-moi 10 os de squelettes, 10 fils d'araignées et 10 viandes de zombies. Fuck! Je viens de jeter des... Juste avant les épisodes, à chaque fois que je jette les trucs inutiles, je jette les toiles d'araignées, les os et tout, putain. Donc déjà, les viandes de zombies, j'en ai 30. Donc désolé, j'ai encore fait une coupure. C'est juste parce que en fait j'ai oublié d'enregistrer, je sais pas pourquoi. Quand j'étais là-haut, quand je lisais la note, j'ai oublié d'appuyer sur la touche pour enregistrer le gameplay. Bon, ça c'est ma faute. Et donc j'ai commencé à battre quelques mobs. Ah. Putain, j'ai déjà utilisé ma deuxième épée. Voilà. Oui, et donc ça fait à peu près 25 minutes. Donc j'ai 6 os, une ficelle. Et ça, on l'a déjà fini. Et je l'ai donné là-haut, en fait. J'en avais 30 et j'en ai donné 10. Normalement, regardez. Je vais vous montrer. Normalement, il y en a, ils y sont toujours. Ben non, ils ont disparu. Bon, c'est pas grave. Normalement, j'avais jeté les 10. Et donc, vu que j'avais oublié d'enregistrer, et ben, j'ai combattu et j'ai fait quelques trucs. Enfin, quelques trucs, je vous ai montré, hein, déjà, si c'est une ficelle, c'est pas beaucoup. Et je vais combattre quelques trucs pour arriver à 10 et 10 pour le prochain épisode. Donc, mettez un like, un commentaire, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!